Mais tu m'as fait peur. Je suis occupé, là, tu vois pas? Ah, oh, c'est bon, là. Non, mais c'est bientôt Halloween. Si on peut plus faire des blagues, moi, je sais pas quoi faire, hein. Bon, alors. Quoi? On va couper, déjà. Bon, écoute. Là, Lily Rose, elle m'a envoyé un truc ultra flippant, là. Je voulais t'en parler. Quoi? Encore un truc qui fait peur, c'est ça? Et je suis occupé. Non, mais ouais, là, c'est un truc qui fait un peu peur. Je suis désolé. Bon, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, il y a Lily Rose qui vient de m'envoyer un truc incroyable. Attendez, je vais allumer la lumière, là. Parce qu'on va se raconter une histoire qui fait un petit peu peur, je dois vous avouer. Et je dois absolument vous en parler. Il y a Lily Rose qui va arriver dans 30 secondes. Elle a vu ça sur Internet. Elle voulait absolument en faire une vidéo. Bon. T'arrêtes de faire des commandes? Eh bah non, en fait, faut bien faire les commandes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les amis, il est en train de faire les commandes pour le Pink Lily Shop. Enfin bref, non, arrête de travailler 30 secondes. Je vais te raconter un truc incroyable. Vas-y, et apparemment, raconte. C'est vrai cette fois en plus. C'est même pas une légende. C'est ça. Bon, vas-y, raconte. En gros, Lily Rose, elle m'a envoyé une histoire. C'était sur un site internet. J'ai tout lu là. J'ai passé toute mon après-midi à lire. Et là, c'est apparemment, c'est la légende de l'homme lion. L'homme lion. Ouais, l'homme lion. Tu veux que je te montre ou pas? Bah, montre-moi, mais... Non, mais au début, ça fait pas trop peur. Hein. C'est juste que... Enfin, bref, je vais t'expliquer. Regarde, ça ressemble à ça, comme ça. Oui. On dirait vraiment un homme lion. Hein. Bah, c'est n'importe quoi encore. Là, et attends, tu veux savoir ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et apparemment, c'est vrai, il y a plein de gens qui l'ont vu chez eux. Mmh. En gros, apparemment, c'est... Alors, c'est quelqu'un... qui se fait passer pour une peluche. Donc en gros, des fois il se balade même dans la rue comme ça. Il a un costume de lion et tout le monde croit que c'est comme une grosse peluche. Il y a plein d'enfants qui croient que c'est comme une grosse peluche. Arrête, moi ça me fait peur là, toutes ces histoires. J'aime pas du tout. T'aimes pas les peluches? Bah les histoires d'hommes peluches, qu'est-ce que c'est? Tu vas pas avoir peur d'une peluche quand même. Bah si. Ah, oh, tiré tout seul. Bon, écoute, ça c'est vraiment bizarre. Bon, ça aussi je vous le dis les amis, ça fait quelques jours que il y a des choses qui bougent toutes seules chez nous. Ça se voit que c'est bientôt Halloween, les fantômes commencent à se réveiller. Enfin bref, il y a cet homme peluche là que je t'ai montré en photo. Et ce qui se passe c'est qu'apparemment il rentre chez des gens, particulièrement des gens qui ont des enfants. Mmh. Il prend toutes leurs peluches, tous leurs doudous, toutes leurs peluches, il les vole. Et après il se balade dans la rue et il les balance un peu partout dans la rue. Donc il y a plein d'enfants qui sont là. Oh non, il a volé mon doudou, etc. Mais Lily Rose, elle a des doudous en plus, non? Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Lily Rose qui m'envoie une vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je vais l'appeler, je crois qu'il y a un problème. Vas-y. Elle m'a envoyé une vidéo d'un truc trop bizarre. Qu'est-ce qu'elle t'a envoyé? Bah je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir, c'était sur Snapchat. Du coup forcément, ça a disparu au bout de 3 secondes. C'est pas toi, mais un doudou, elle m'a envoyé une silhouette trop bizarre. Oh là là. Attends, je vais l'appeler. Bon. Encore une fois, les amis, j'appelle Lily Rose, regardez. Je vais la mettre en haut-parleur. Allô Lily Rose? Allô Lily Rose? Quoi? Ça va? Oui. T'es sûr, tu m'as envoyé quoi là sur oui. Snap? Qu'est-ce que c'est que ce oui, truc? Ça va. T'as vu un truc? Elle répond plus. Qu'est-ce Lily Rose, t'as vu un truc en rapport avec un lion? Eh oh! Ça a coupé? Elle répond plus. Lily Rose! Lily Rose, réponds! Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Ah, mais en même temps, c'est bizarre. Elle m'a dit, quand je suis rentré dans le Pink Lily Shop, elle m'a dit j'arrive dans 30 secondes. Là, ça fait déjà au moins 3 minutes. Oh, attendez. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Les amis, allez, faut. Ah encore lui! Non, je reste pas dans le champ, avance, avance! Attends, viens. Oh, y a les chats. Regarde! Qu'est-ce que c'est tout ça? Et c'est plein de peluches! Y'a plein de doudous! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça c'est à moi en plus! Attends, mais y en a plein qui sont pas à nous, hein! Mais oui! Regardez! On peut pas avoir autant de doudous! Ah non, mais. Attends, mais j'ai l'impression que. Attends. Je vais aller voir dans le garage. Il y en a dans le garage. Oh. Regardez les amis. Il y en a jusqu'à l'entrée du garage. Et ça, c'est pas à nous tout ça. Il y a des dizaines de doudous. Mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus, le coffre de notre voiture est ouvert. Regardez. Ok, bon. Là, c'est vraiment bizarre ce qui se passe. C'est vraiment étrange. Pile avant que je te raconte la légende de... Enfin, avant... Pile quand je te raconte la légende de l'homme doudou. Mais oui, mais enfin, c'est de pas l'homme une... lion là. Ça c'est pas une coïncidence je pense. Oh, il y a le chat qui joue. Bon, merci. Non, mais le chat, il faut pas le laisser jouer à côté de ces doudous là. Oui. Regardez, c'est pas...
Il y en a partout. Il y en a partout là. Mais ça continue. Viens voir. Attends. Je suis juste là. Viens voir, viens voir. Regarde, il y en a vraiment partout. Ça mène jusqu'où? On dirait que ça va jusqu'en haut. Attends, on va regarder. Ok, ok. Bon là les amis, cette vidéo où je devais juste vous raconter la légende de l'homme doudou, c'est vraiment en train de se transformer en enquête. J'espère qu'il est pas venu chez nous. Attends, je vais encore regarder sa photo. Oui. Chut. T'as entendu? J'ai entendu. Il y a une porte qui s'est ouverte, je pense. Une porte? Mais oui. Attends, attends, attends. Regardez, il y a même des pop-its. Il n'y a pas que des doudous, il y a des pop-its. Attendez, donc il est censé ressembler à ça. Ah, on voit rien. Ah, c'est bon. On voit. T'as vu ou pas? Oui. On dirait vraiment un doudou géant. Mais oui. Ça serait quelqu'un... Ok, bon. Les amis, on va essayer de suivre. Oui, c'est quelqu'un qui se fait passer pour un doudou et qui en profite pour voler tous les doudous des gens. Avance. Oh là là, mais de quoi avance? Bah sinon, on verra jamais, gars, si c'est un vrai... Moi, je fais attention. Il y en a vraiment partout. Attends, ça s'arrête là. C'est quelle pièce? Celle-là ou celle-là? Mais je sais pas, on va essayer les deux. Attends, je vais essayer celle-là. Vas-y, vas-y, essaie celle-là. J'essaie l'autre. Attends, les amis, là, je commence vraiment à avoir un peu peur. Il y a quelqu'un? Fais l'entendre vite, viens, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que vous faites chez nous? Je suis le roi des doudous. Le roi des doudous? Oui, je vole tous les doudous des enfants. Tous les doudous des enfants? Oui. Ils sont où d'ailleurs, les doudous d'ici? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que vous faites là? Non mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Ils sont où les doudous? Attends, viens, 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 viens. Attends, je vais dans la chambre de Lyoz. Ils sont là. Oh là 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 là. Mais viens. Il vole les doudous de tout le monde du coup, c'est vrai ce que tu m'as dit. Il a dû voler les doudous de tout le quartier. Oh là là, c'est pas possible. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut rendre ces doudous. Moi ce qui m'inquiète c'est surtout Lily Rose. Où est-ce qu'elle est passée? Elle m'a envoyé une vidéo trop bizarre. À mon avis c'était une vidéo de l'homme doudou. Et comme par hasard, tout a disparu. Enfin tout a disparu, elle a disparu. Tu penses que je devrais essayer d'aller chercher Lily Rose? Attends. Quoi? Je suis en train de regarder là sur les informations. Il y a un article qui parle de le quartier dans lequel on est, dans la ville de Lille. 50 000 doudous ont disparu. 50 000, mais c'est énorme. Les enfants n'arrêtent pas de pleurer, 50 000 doudous ont disparu. Oh non, c'est pas possible. Et on a le responsable chez nous. Faut appeler la police, faire quelque chose. Bon, écoute, là je sais pas où il est parti, parce que je l'ai entendu partir là. Il faut qu'on se sépare. D'accord. On se divise. Ah, tu sais quoi, je vais chercher Lily Rose. Ok, toi tu t'occupes du sous-sol. Ouais. Tu cherches Lily Rose dans le sous-sol, et s'il y a le lion, t'appelles la police. D'accord. Moi je m'occupe du rez-de-chaussée. Allez. Allez, c'est parti. On y va. Les amis, j'espère qu'on va l'attraper et qu'on va appeler la police. Bon, si vous habitez à Lille et que vous reconnaissez certains de vos doudous, bah ils sont chez nous, vous inquiétez pas, on va essayer de vous les rendre. Mais il y en a clairement pas 50 000 chez nous. Ça veut dire qu'il en a déposé à plein d'endroits différents. Venez ici! Ah mais arrêtez ça tout de suite! Arrêtez! Attaquez les doudous! Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça tout de suite! Ne m'attrape pas! Je prendrai tous les doudous des enfants! Monsieur, je vais appeler la police si ça... Je m'en fous de la police! Allez, arrêtez ça tout de suite! Non mais, vous allez pas vous en tirer comme ça, c'est sûr! On connaît votre légende! Il y a toutes les informations qui parlent de vous, monsieur! Ça suffit! Ils sont tous à moi! Ils sont tous à moi! Ça suffit! Comment ça, ils sont tous à vous? Ils sont tous à moi! Oh les amis! Non, 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 vous allez pas vous en tirer comme ça! Vous allez pas vous en tirer comme ça! Allez! J'appelle la police, allô? Oui. Oui, 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 nous sommes... On est bien au 16 rue des Violettes. Oui. Oui, bah c'est en rapport avec l'histoire de l'homme doudou, là, du lion. Il est chez nous. Oui, oui, il a volé des tonnes de... Comment ça, vous ne croyez pas? Mais c'est réel, j'ai tout filmé en vidéo, tout est réel. Il en a profité pour disparaître. Il en a profité pour partir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas où il est passé. Ah mais qu'est-ce que... Ça suffit! J'ai appelé la police, hein. Je pense qu'ils vont pas tarder à arriver. Ils vont pas tarder à arriver. Je m'en fiche, je vais tous les prendre. Laissez-moi. Il y a quelqu'un qui sonne à notre porte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sonne à notre porte, j'en suis sûr. Ça sonne. J'espère que c'est pas encore un voleur de doudou.
Il y a quelqu'un? Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi. Mon enfant, mon fils, il a perdu tous ses doudous. Oh mais comment ça? Comment vous avez eu notre adresse? Bah en fait, j'ai vu quelqu'un sortir de ma maison et se diriger vers la vôtre. Donc je m'étais dit que peut-être... Est-ce que cette personne ressemblait à un lion? Oui. Comme un grand doudou géant. Ok. Bon, je pense qu'on a un ennemi commun, madame. Ah oui? On va essayer de retrouver le doudou de votre fils, vous inquiétez pas. D'accord. Le responsable est chez nous. J'ai appelé la police, mais ils veulent pas venir, ils lui pensent que c'est une blague. Il est chez vous, donc? Oui, mais il est là, justement. Venez ici. Ah, laissez-moi. C'est lequel? C'est le petit gars. La vache. La vache? C'est la vache. Rendez-moi ça. Aidez-moi enfin. Mais je peux pas. Attaque le doudou. Rendez-nous cette vache. Ah, désolé. Il a une force incroyable en plus. Rendez-nous ce doudou. Rendez-moi cette vache. Rendez-nous ce truc. Madame, tant mieux pour vous. J'espère que votre fils va être... Je m'en prendrai des autres. Attendez, venez madame. Oh là les amis, cette histoire est en train de partir en cacahuète totale. Venez, on va parler un petit peu. D'accord. Venez. Écoutez madame, vous allez pouvoir rendre le doudou à votre enfant. Oui. Il n'y a pas de problème, mais surtout appelez la police. D'accord. Et dites-leur que c'est vrai tout ce que vous avez vu. D'accord. Et allez au commissariat de police, allez voir et dites-leur que c'est vrai que vous avez vu le lion. D'accord, je vais faire ça. Ok. Merci beaucoup. Bon. Comme ça, les amis, la police va venir pour s'occuper de ce lion fou, de cet homme fou. Bon, j'ai un ami, j'ai mon cousin qui est chez moi, qui m'aide à le faire partir. À bientôt. Bon, maintenant, j'espère que Valentin... Mais c'est pas un doudou, ça. Mais c'est mon chat. Ouais, ça va devenir un doudou. Non, ça va pas devenir un doudou chat. Oh, le pauvre chat. Mais j'ai pas le temps, il faut que j'aille voir Valentin. Et surtout retrouver Lily Rose. Allez, j'espère que Valentin est au sous-sol et qu'il lui est rien arrivé. Valentin, t'es là? Eh oh, t'as retrouvé Lily Rose? Oh là 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 là. Ah, Valentin, ça va? Eh oui, ça va. T'étais pas au sous-sol? Bah j'ai dû monter en urgence, car j'ai entendu un bruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme qui est venue, une mère. Son enfant avait perdu son doudou à cause du lion. Oh non. Et elle a pisté le lion jusqu'ici. C'est bon, j'ai rendu le doudou. J'ai rendu son doudou. Mais franchement, le lion, il voulait rien savoir. Bah il m'a volé mes lunettes, dis-toi. Ah, il a volé tes lunettes? Mais oui, regarde, je les ai plus. Bon attends, on va se mettre ici et je vais appeler Lily Rose. Pour essayer d'avoir des nouvelles, parce que là je commence sérieusement à m'inquiéter. C'est bon, je l'appelle les amis. Hein. Bon, tu penses qu'il s'est passé quoi là? Avec Lily Rose? Bah à mon avis elle a dû se cacher parce qu'elle l'a vu. Ça doit être ça. Mais elle répond pas à mes appels. Bah à mon avis... Allô Lily Rose? Oui. Allô? Ça va? Oui, ça va et toi? Bah t'es où? Bah... Parce que là, depuis que tu m'as envoyé le snap avec le lion, plus moyen de t'avoir au téléphone. Ouais, désolée, mais c'était vraiment compliqué, j'avais plus de connexion. Mais du coup, tu te caches où? En dessous d'une table. En dessous d'une table? Mais dans quelle pièce? Bah, je peux pas te le dire. Oh là là, c'est pas possible. Bon, en tout cas, si tu vas bien, c'est le principal. Je reviens te voir avant la fin de la vidéo. Ok. Allez. Ah bon, les amis, ça va, elle va bien. C'est l'essentiel, oui. Je commence à m'inquiéter. Bon, maintenant, il va falloir virer ce lion. Et comment on peut faire là? Mais j'en sais rien moi. On prend tous les doudous, il suit les doudous et on le met dehors. Au pire, tu prends un sac poubelle. Ah! Il est juste là! Ils sont où les doudous? Comment ça ils sont où? Vous m'aurez pas! Reviens ici! Qu'est-ce que vous voulez? Oh! Qu'est-ce qui se passe? La poignée est tombée? Mais le lion, pourquoi t'as cassé notre porte? Eh ben c'est comme ça vous m'aurez pas. Non, allez viens. Non. Allez, on le met dans la voiture. Non, pas dans la voiture, on va, non. On va te bloquer dans la voiture. Laissez-moi tranquille, non. Allez, ouvre cette porte. Doudou. Allez. C'est parti. Non, pas dans la voiture, j'aime pas les voitures. Allez, dans la voiture. Ah, le blé de fond.
C'est parti. Mets ce lion dans la voiture. Au secours. Et je vais fermer tout ça à clé. Allez, il n'est pas question qu'il sorte. Hein? Ça suffit. Non, c'est bon, tu restes ici. Bon, les amis, me voilà rassuré. Au moins, il est bloqué dans la voiture. Il pourra plus sortir. Et j'espère que la dame, là, qui est venue ici, elle aura bien appelé la police et qui vont venir le récupérer. Bon, les amis, en tout cas, moi, j'en peux plus de toutes ces histoires. Oh, il est sorti! J'en peux plus de ces histoires. Vous inquiétez pas, on va s'occuper du lion parce que ça va pas continuer comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like si vous l'avez apprécié. Vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et surtout, cliquez sur une vidéo qui apparaît ou allez sur le Pink Lily Shop pour commander des produits Pink Lily. À la prochaine. Oh non! Ils ont cru m'avoir, hein? Eh ben non! Je suis déjà revenu! Je vais piquer tous vos doudous!